Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 9ème épisode de mon Let's Play sur le jeu Banished. Et oui, c'est un peu sombre parce qu'en fait, pour une fois, je tourne la nuit. Et donc, dans cet épisode, je vous avais dit que je ferais tourner un peu encore le temps. Et là, on a passé le demi-siècle, ça y est, on a presque 200 de population. J'ai énormément de possibilités de jeu à partir de maintenant, ça commence à devenir vraiment sympa. Donc je vous propose, on n'attend pas plus, on est parti. Donc, nous revoilà à Coquinterville, on est à la fin du printemps de l'année 51, c'est-à-dire qu'on est quand même... C'est bien, quoi, 51. 127 adultes, 37 étudiants, 30 enfants, et surtout, 30 nomades qui attendent à l'asile, enfin, qui demandent asile. Je pourrais jamais les garder d'un coup. 30 nomades, ça devient compliqué, parce que, en fait, on est déjà à 60 maisons pour 72 familles, 194 villageois. Je sors à peine la tête de l'eau, donc bon, je pense que 30 nomades, ça fait trop. Ça fait trop pour l'instant. On va les renvoyer en attendant... Peut-être que moins, ça serait plus cool, parce que là, pour l'instant, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Donc j'ai fait aussi un marché actuel, un nouveau marché, histoire d'avoir un peu d'espace de stockage et une nouvelle zone de fonctionnement, ainsi que des maisons. J'ai récupéré 2-3 trucs. J'ai pas récupéré de deuxième mouton, parce qu'il n'y en a pas qui est apparu, mais j'aimerais bien qu'il y en ait un... Parce qu'en fait, notre mouton est mort. Oh merde! Oh la grosse loose. Ok, d'accord. Bon, bah les moutons, voilà, tant pis. Faudra peut-être que j'en ramène un peu plus parce que là, pour l'instant, ça marche pas en fait. Va falloir que j'aille en recommander une fois qu'il y aura un mouton, un type avec qui vend des moutons. Ça me fait un peu chier, mais voilà, tant pis. J'ai récupéré d'autres graines, si je me souviens bien. Donc on a des poivrons, des pommes de terre, des citrouilles, des courges, des choux, des maïs, du maïs, des pommes, enfin j'ai récupéré des pommes aussi. Donc on a pas mal de choses. On a vraiment pas mal de choses, je dois pouvoir planter du maïs, je crois que les choux j'en avais déjà planté. Pommes de terre, courges, poivrons et citrouilles. Donc non, il faut que je plante des choux et des maïs. Donc on va faire encore plus de nourriture parce qu'à 17 000, sachant qu'on est presque 200 et que chaque personne mange environ 100-120 par an, on est en dessous de ce qu'il faut. C'est pour ça que j'ai monté à 2200. On va faire, du coup, dans cette nouvelle zone de libre, on va faire pas mal de trucs. On va faire... Alors, non, c'est où? Verger. On va faire d'abord un verger pour mettre les cerises. Alors attendez, j'essaye de faire quelque chose de bien quand même, avec une place pour le mouvement. 15 par 15, ok, donc là on a un verger. Je crois que c'est 14 par 14. Ou là 15 par 15, on va faire 15 par 15 aussi un champ. Merde, j'ai mal cliqué. 15 par 15, ok. Donc là, on est plutôt pas mal. Je vais mettre à la construction. Ah oui, j'ai tellement de travailleurs que j'ai réussi à avoir des morts travailleurs. C'est pour vous dire. Voilà, encore des naissances. On va bientôt passer la barre des 200. Donc là, on va construire ça. Donc on va mettre... Est-ce que j'ai la place pour un dernier champ? Oh oui! Ok, 3 champs. Bim, bim, bim. On va avoir besoin de pas mal de travailleurs, mais ça va aller parce que 36 étudiants. 36 étudiants? Quoi? Je vais pas avoir de place. Je vais pas avoir assez de place dans nos écoles. Il va falloir que j'en fasse une troisième. Ok, donc là je vais mettre 2 maisons supplémentaires, je pense aussi. Sachant que j'ai directement fait une route en pierre, du coup je suis un peu tranquille. Allez, 3 maisons supplémentaires, boum boum boum. Je vais mettre une route. Une route simple. Voilà. Qui vont me récolter ça. Enfin, j'espère qu'ils vont bouger. Oh oui, 17, d'accord. Ok. Oh, j'ai eu des morts, là. Oh, on se calme. Bref, j'ai l'impression que tout se passe à peu près bien. On a quelques décès. Mais pour vous dire, je pense que là, on est vraiment bien. On est vraiment bien, il y a largement de quoi faire. Je sais plus si je vous avais montré la taverne. Si, je crois que je l'avais fait avec les cerises. Je sais plus. J'ai fait 2-3 trucs dans mon coin. En fait, c'est la 3ème vidéo que je fais aujourd'hui. Et ça avance. Je fais avancer un petit peu sur tous les fronts. Je trouve ça assez cool. Je suis assez libre pour faire plein de trucs.
Seul souci, c'est que là, j'ai pas l'impression qu'il bosse. Eh oh. Un marchand est arrivé. Si tu pouvais me vendre des moutons. Tu vends pas de moutons. Casse-toi. Parce que là, on a plein de poulets en plus. Ok, bon. Où est-ce que ça en est ici? Ça en est pas loin. Qu'est-ce qui branle? Je sais pas trop ce qu'ils font. Flâne. La faim. Il flâne. Il flâne. Je sais pas. Je sais pas ce qui branlouille. On a tellement de travailleurs et pourtant j'ai je leur demande de taffer quoi, c'est pas rien. On va increase la priorité d'un truc. Peut-être qu'ils vont se mettre à bosser. Voilà, ça y est, il suffisait juste de lancer la priorité et ils se mettent à bosser. C'est bizarre, on dirait que des fois il y a des blocages comme ça, il faut lancer la priorité sur un truc et bim, ils s'y mettent. Je sais pas. En plus, ça va faire de la ressource. C'est quand même hyper agréable de regarder ça. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord. On voit tous les arbres qui descendent. Voilà, c'est en train de fonctionner. Là, c'est marrant parce qu'on dirait vraiment plus un jeu de gestion classique, quoi. Au début, c'est un peu hardcore parce qu'il faut vraiment passer la barre de transformation, enfin de tout qui avance bien. Hop, on va mettre des pommes. Là, on va mettre du maïs et là, on va mettre du chou. Il reste 4 trucs. Oh là là, 37 et je peux les mettre quoi. Un peu débile, mais ça passe. Alors je vais peut-être avoir besoin de plus que de 3 bâtiments. Je sais pas ce que j'ai encore à construire en fait. Mais bref, tout ça, ça avance bien. On est sur de très très bonnes bases, hein, là, clairement. On a plus que 27 étudiants, plus que. Oh merde, j'ai oublié de fermer mon Messenger, je suis désolé. Ça va faire peut-être bim bim pendant l'épisode. Vous inquiétez pas, c'est pas vous, c'est moi. Ouais. Est-ce qu'on a passé la barre de 200? Tiens, question. 197, on y est presque. Encore 3 enfants et on passe la barre des 200 de population. Et ça sera la première fois très clairement que moi je l'aurais fait. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Sachant que j'ai 12 mineurs et 12 tailleurs de pierre, quoi. C'est pas rien. D'ailleurs, je vais augmenter un petit peu ses ressources. Ok. Bon, maintenant que nous avons fait ça, non seulement. Oh, j'espère que ça va pas faire bim bim trop souvent. Parce que sinon, ça va vite m'énerver. Et vous aussi. Maintenant qu'on a fait ça, déjà encore des maisons. Peut-être que. Par ici. Qu'est-ce que je pourrais faire par ici? Une église, mais on est déjà bien au niveau du bonheur. C'est pas ça qui va changer grand-chose. Ah, je crois que là, on est à 200. Yay, 201. 201, mais on n'est pas encore à 200 adultes, donc j'ai pas encore fait le succès. Je crois qu'il y a un succès hein, qui exploit. Ah non, c'est 300. D'accord. C'est 300, c'est pas 200. C'est une population de 200 adultes éduqués pendant 4 ans. Oui, même ça, j'y suis pas encore. Mais bon, ça avance bien. Donc là, on est plutôt bien. Qu'est-ce que je peux faire à ce niveau-là? En termes de nourriture, je pense qu'avec tout ce qu'on aura, là, le maïs, tout ça, ça va nous permettre de faire des trucs. Là, on devrait avoir du bois de chauffage, c'est bien. Ah, un vendeur. Des vaches. C'est pas des vaches que je veux, mon coco. Des vaches, j'en ai déjà un bon petit paquet et ça me fournit pas mal de nourriture. 1000 de 1000 et 30 de cuir, c'est franchement pas mal. Les tailleurs, on est bon. J'ai un deuxième brasseur. Bref, je suis vraiment bien. Alors, je dois mettre. Ah oui, bâtisseur, bah oui, forcément. Peut-être que je vais améliorer certaines maisons. Ça serait peut-être pas mal. En plus, j'ai énormément de naissances, évidemment. Une école, 29 étudiants en moyenne. Est-ce que ça serait pas une bonne idée? Une nouvelle école. Allez, on va faire une nouvelle école. Est-ce que je peux pas la mettre sur le déco? Oh oui. Oh oui que c'est pas mal. Ça rentre pile poil. Voilà.
J'ai beaucoup de travailleurs dans le coin, donc ce qui fout pas grand chose. Mais bon. Moi ça avance. Oh la vache. Qu'est-ce que ça peut taffer? Bon, ça se passe bien. Je vais peut-être mettre un herboriste dans le coin ici. Augmenter la quantité d'herbes médicinales aussi. Hop. On va voir. Je vais le passer à 500. On va voir si... On aura 600. Allez, hop. On va voir si ça suffit. Enfin, si ça arrive à tenir. Je pense que ça devrait arriver à tenir. Si ça tient pas, je ferai un nouveau herboriste. Mais ça m'étonnerait que ça ne tienne pas. On n'a plus beaucoup de peau. Ah mais c'est parce qu'ils sont en train de faire un masse de vêtements. Bon. Yonose. Yonose de mon côté, il faut que ça avance. Au niveau du bois de chauffage, j'ai mis combien? 1500, on est bon, on est toujours bon. Peut-être le passer à 1600. Je sais pas trop quelle est la quantité de bois de chauffage qu'il faut. On a 66 maisons pour 78 familles. Donc on est encore en dessous, mais en même temps, si j'en fais encore, bah je vais galérer. Il va y avoir encore trop de naissances. Ah oui, d'accord. Il y a encore pas mal de... On a perdu pas mal de nourriture. Mais là, c'est des récoltes. Et là, normalement, les... ça va rentrer, mais alors à donf dans les caisses. Vous savez quoi? Ici, ils travaillent pour rien. Ça m'énerve un peu. Donc, tant qu'il y aura des trucs, on va mettre des poulets. Ouais, hop, on va mettre des poulets. Au moins, ils travailleront à un moment. Ça, ils vont faire quelque chose. Bon. La nourriture qui doit remonter. Cuir et venaison, quoi. Ok, bon. On est très bien. J'ai 13 travailleurs. Bon, bah, je vais monter à 15 du coup ici. Hop, voilà, 15 et 15. On est bon. Là, je sais pas trop quoi faire. Du coup, je vais laisser tourner le jeu en attendant qu'il y ait quelque chose de spécial qui se passe. Bon, je vous reprends parce que c'est un sacré foutoir en fait cette histoire. Il y a énormément de choses à faire dans tous les sens, mais c'est pas super intéressant parce que c'est des maisons. Là, j'ai vu qu'il y avait plus beaucoup de combustible, du coup j'ai fait une cabane de mûcherons. Il y avait un marchand qui arrivait avec des graines de prumier ou des graines pour faire des noix de pécan. Bah, je les ai achetées. Bref, c'est pas quelque chose d'hyper palpitant, mais voilà, ça avance un petit peu dans son coin. J'ai énormément de ressources. C'est pas le problème. On voit que tout est plein à craquer. C'est assez hallucinant. J'ai fait un herboristerie en plus. Hop, je vais monter un petit peu la quantité d'herbe médicinale. Comme ça, on sera un peu plus tranquille. Ok. Donc là, vraiment, bah, on a énormément de ressources. Hein. C'est quand on regarde là, 224 villageois. Le graphique qui n'est qu'une énorme montée en réalité. En termes d'inventaire, on est super bien. C'est waouh. Ouais, c'est assez hallucinant. Même si on a des morts de vieillesse de temps en temps, ben voilà. Ah d'accord, l'église de 100 membres. Ok, c'est limité, ben, il faut que je fasse une église. Faisons une église. C'est vachement grand une église. Église. Peut-être que je fasse de nouvelles maisons d'ailleurs. Hop, hop. Allez, c'est parti, la construction. Là, j'ai fait une grange aussi pour du stock. Mais bon. Elle a pas l'air de se remplir, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que les marchés à côté prennent tout. J'avais pas fait une grange aussi ici. Si, elle est pleine à 100%. Ok, d'accord. C'est un peu retard. J'ai aussi fait. J'ai aussi en fait divisé le pâturage. Des poulets en deux, ce qui m'a permis en fait d'avoir plus de poulets sur les deux trucs. Bon bah voilà, j'ai des poulets. Concernant les graines, j'y suis presque. Il me reste 3 graines à récupérer, donc on est vraiment au bout. Tout continue de s'améliorer, tout continue d'augmenter. Bref, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Mais tout peut capoter à partir du moment où je relâcherai un petit peu mon attention. D'ailleurs, je n'ai plus beaucoup de bois. Je pense qu'il faut que je mette un truc de récolte de bois. Ah. Ok, d'accord, tu vends plein de trucs, mais c'est absolument pas ce que je voulais, du coup tant pis. On va mettre un truc de récolte de bois dans le coin là-bas, là, un woodcutter, enfin une hutte de forestier plutôt. Hop, avec une ou deux maisons en plus. Non, une maison, pas une nouvelle hutte de forestier.
D'accord, là ça se chevauche. Là ça se chevauche pas. Ah, c'était un peu de la merde. C'est un petit peu merdeux ce que j'ai fait. Tant pis. Ça se construit, voilà, c'est bien. 1600, 1700, ouais, j'ai pas tant. Ouais, bah, c'est vrai que les récoltes elles vont bientôt arriver. On arrive au pic de croissance de l'année. Donc ça va aller, c'est vrai que ça descend toujours un peu. Des nomades, dites-moi qu'il n'y en a pas 50. 25, allez, toujours plus. Mais non, je suis désolé les gens, mais j'ai plus de place. J'ai plus de place. Crise des migrants, tout ça. J'aurais bien aimé, mais là pour le coup je suis un peu overblindé. Du coup on va pas trop y toucher. Bon. Bah vous savez quoi, bah je vais continuer un petit peu sur cette lancée. On va finir quand même l'église. À bientôt est fini. Je fais des maisons dans tous les sens et ça passe quoi. On va monter un petit peu les bâtisseurs. Je fais des maisons dans tous les sens et ça passe. Trop drôle. On a quelques morts mais rien de bien grave parce qu'évidemment il y a les naissances qui suivent. En fait, je sais pas, il y a eu un déclic et là tout d'un coup ça s'est mis à partir en couille. C'est assez drôle d'ailleurs. Je perds par contre beaucoup en pot et tout. C'est pas ce qu'il y a de mieux. J'aurais peut-être dû faire un autre champ de vaches. Merde. Parce que ça aussi, ça donne du cuir. Le cuir, j'en ai plus beaucoup. Vous finissez ça, oui ou merde? Ouais, ça a l'air d'aller. Ok, je vais vous mettre un prêtre. On est bon. Bref, des travailleurs. On est très bien. C'est nickel. Bon, allez. Je vais en continuer un petit peu dans mon coin. Et je vous retrouve dès qu'il y a quelque chose. Alors, je vous reprends parce que je me suis rendu compte d'un truc. C'est que j'ai fait l'achat de prunes et de noix de pécan. Enfin, de graines de prunes et de graines de noix de pécan. Mais par contre, j'ai pas fait les vergers qui vont avec. Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé. Non, hop. Que de la merde. Ok. Donc, on va se replacer ici. Alors, est-ce que je peux faire un grand verger? Le plus grande taille que je peux, c'est quoi? Par 12? Ouais, non. Pas faire cet affront, quand même. Je vais quand même faire un truc par 15. 15 par 15. 13 par 15. Allez, on va dire que c'est bon. Ok, vous allez me construire ça rapidement. Ça va être vite fait. J'ai aussi coupé un petit peu les arbres, tout ça, parce que j'avais plus beaucoup de bois. Hein. Honnêtement, le bois, il est parti assez vite. Faudra peut-être que je m'en occupe à un moment. Bon, ça m'a l'air d'aller jusque-là. Alors, je veux pas me virer tout ça. Ah, ok. Noix de pécan. Et là, on va mettre... Toc, 3 de plus. Et là, on avait dit les prunes. Voilà. Bon. Et 3 de plus, ça fait tirer 43 Pékin au... Ok, d'accord. Des maisons en plus, ça veut dire aussi... C'est un bordel. Honnêtement, là, je suis en mode ultra YOLO. Quand on regarde un peu les stats, là, c'est... On est à 245 villageois. Allez, toujours plus. On était à 200 au début de l'épisode, hein, je rappelle. 175 adultes. Ils sont quasiment tous habillés, mais bon, c'est parce qu'il y en a un qui doit avoir pété son habit ou un truc comme ça. Ils sont 100% instruits, donc on est vachement bien. En termes de du reste, bah, ça a l'air d'aller. Ça a l'air de carrément aller en production en un an, 25 000. Bon là, on est en hiver, donc c'est normal que les stocks diminuent un peu, mais on est carrément large. Et c'est juste que s'il y a une année où il y a un problème, eh ben j'aimerais éviter d'avoir de la merde. Enfin, j'aimerais éviter d'avoir de la merde. Mais ça devrait aller. En tout cas, ça m'a toujours fait rire à quel point les arbres ils pouvaient pousser vite, hein, parce que c'est dans la vraie vie un verger, tu le plantes pour tes petits enfants, quoi. C'est dur, mais c'est comme ça. En plus, faut en prendre soin sur toute la longueur. Un poil long. Ok. Ils vont carrément bosser beaucoup trop loin là. D'accord, ils vont bosser jusque là-bas. Ok, très bien. C'est pas hyper optimisé, mais honnêtement, ça a l'air de passer. Du coup, bah voilà, ça passe. Là, je vais mettre d'ailleurs des petites maisons là-haut parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup à bosser et je m'en suis pas forcément occupé. 40% restant. Je vais arriver à vider les mines. Mais what the fuck?
On va faire un truc, mettre du charbon. On va récolter du charbon en attendant que le fer descende, parce que le fer va descendre. Et on va mettre des outils en acier. On va mettre des outils en acier des deux côtés. Un type qui s'est fait tuer par un caillou, t'es un peu con aussi toi. Non, en vrai c'est dangereux dans les mines, les effondrements, ça peut être vraiment très très dangereux. Honnêtement, je sais pas du tout comment se passent les mines maintenant, c'est-à-dire de nos jours. Je sais qu'il y a beaucoup de mines à ciel ouvert, ça se fait pas mal, mais ça vaut que pour les gisements qui sont justement à ciel ouvert. Difficile de creuser un trou de 2 km de diamètre pour aller creuser sur un kilomètre de profondeur. En toute sécurité, on n'est rien au-dessus de la tête. Et même s'il n'y a rien au-dessus de la tête, il reste les éboulements, des trucs comme ça. Après, c'est vrai que maintenant, ce sont des engins qui sont monstrueux, qui permettent de récolter des trucs comme ça, mais c'est pas rien quand même, il risque d'avoir des accidents et tout. Et oui, même dans mes vidéos de Let's Play Gaming sur un jeu de gestion, vous apprenez des trucs. Comme quoi, la plus-value, elle se fait là où on peut. Ok, bon, alors, oh la vache, le charbon qui arrive. Je ne sais pas trop quoi faire, je dois avouer, j'ai fait une pêcherie à côté aussi en plus. Stock de bois brut en réserve est hyper low, oui. Oui, mon stock de bois brut en réserve est hyper low et ce n'est pas bon du tout. Pourtant, voilà, bon bah, je vais aller récolter moi du bois. Hein. Des zones où ça craint pas trop la récolte du bois, ici. Là, ouais. Là, ici aussi. Et peut-être qu'il va falloir que j'aille chercher un petit peu ailleurs. La vérité est ailleurs, mon cher Mulder. Alors, il faudrait que je passe par ici. Ici, on va faire une dernière zone, vu que c'est au bord de la carte, je pense qu'on va faire une dernière zone de forêt. En plus, elle fait pile poil la bonne taille. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On va faire un tunnel. Premier tunnel depuis le début du jeu. On va faire par là, je pense qu'on est bien. Est-ce que ça peut... Putain, ça passe pas. Bon, tant pis. Je vais attendre qu'il soit construit le tunnel avant de placer ma route. Mouton ! Hop. Non, pas 15. 150 ? C'est beaucoup trop. 100. On surpaye de 300. Donc, 60... 80 ? Pile poil. Ok, c'est bon. Échanger. Ok, donc on va faire un nouveau pâturage qu'on va mettre ici en plus. Pile poil. Pilus poilus. Peut-être que je vais l'optimiser un petit peu. Non, trop large. Voilà, ça c'est de l'optimisation. 20 par 14. Ça me semble pas mal. On va mettre à la construction. Ok, donc là on a 110, ok on a des matériaux, c'est nickel. On est particulièrement bien jusque là, tout avance bien, tout va bien. Oh, c'est tout blanc, c'est assez hallucinant dans les informations là. Ça possède 2600. Ok. Bon, ben vous savez quoi? Ah, c'est déjà fini! Putain, j'ai juste regardé ma montre 2 secondes. Et c'était déjà fini. Ok. On va faire des maisons. Et là, on va mettre une dernière zone de forêt. Mais je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode. Je vais juste finir ça rapidement. S'il veut bien. Allez, mon cochon. Allez, maintenant faut construire. Ils ont pas envie, hein. Ils ont un peu la flemme, on dirait. En attendant, je vais regarder un petit peu ma vue d'ensemble. 255 villageois. Ça avance bien. Tout est nickel. Ah, et heureusement que je mets le jeu en x10, hein, parce que même en x5, ça aurait été beaucoup plus long. Hein. Là, ça avance bien.
Il y a des morts de mineurs quand même. Il y a quelques décès, mais tout avance super bien. Ok. Mouton. Là, j'en ai deux. Ça devrait partir tout seul. On va en profiter pour mettre deux bergers supplémentaires. Voilà. Et là, ça va être nickel. Bon. Eh ben, on est parfait. Dans le prochain épisode, on s'attaque à cette petite zone-là, une petite zone forestière. On va mettre de la récolte de bois et tout ça, parce que là, c'est important. Je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode. Bien évidemment, je vais jouer un petit peu dans mon coin, histoire d'accélérer un petit peu le temps, parce que là, je voudrais pas que le let's play dure 50 ans. Je rappelle que l'objectif, c'est d'atteindre le siècle. Ça me semble plutôt bien parti. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de ce let's play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien!